Ce pilote est en infraction. Il vient d'être contrôlé à 76 km/h au lieu des 45 autorisés pour un scooter. Un scooter débridé. Il y a eu des modifications, il va falloir remettre ça d'origine. Une fois que c'est fait, vous revenez avec la convocation qu'on va vous remettre. Ah, mais t'es quand même passé le moto, t'es comment ? D'accord. Et là, combien le moto il monte là ? 76. Et qu'est-ce qu'il y a déjà fait alors ? Il faut remettre d'origine un truc comment pour qu'il redescende. Pour traquer les deux roues débridées, les forces de l'ordre disposent d'un nouvel appareil, le curvomètre. Il suffit de positionner la roue arrière de la moto sur un châssis pour connaître instantanément sa vitesse de pointe et voir si elle est débridée ou pas. Ici, le boîtier affiche 93 km/h, le double de la vitesse autorisée. Des infractions graduellement sanctionnées. Jusqu'à 60 km/h. Je rappelle que c'est 45 la vitesse maximale autorisée, où on a un avertissement, hein, un rappel à la loi en accord avec le parquet. Entre 60 et 80 km/h, on a une verbalisation systématique. C'est une amende forfaitaire à 90 €, une quatrième classe. Au-delà de 80 km/h, on a cette verbalisation à laquelle s'ajoute la mise en fourrière. Et je voudrais insister sur la mise en fourrière administrative parce qu'en fait, la personne ne pourra récupérer son scooter à la fourrière que si elle met en conformité son véhicule. Depuis le début de l'année, 40% des tués sur la route sont des deux roues. D'où cette opération de contrôle cet après-midi au Chaudron. Tous les deux roues, je crois, arrêtées là, depuis le début de l'opération ce jour, sont en fait débridées et pour la plupart sont presque à doubler la vitesse limite de 45 km/h. Donc c'est vraiment très dangereux. On sait ce que produit une vitesse doublée quand on conduit. On sait aussi qu'un deux roues, il n'est protégé que par ses équipements et par le comportement. Donc je rappelle que le risque d'accident mortel sur la route est 22 fois supérieur quand on est en deux roues que quand on est en voiture. Ce scootériste repartira à pied. Sa moto a été emmenée à la fourrière.